Yahweh atindaki bango eloko mususu te atindaki bango liloba pe liloba ebikisaki bango. Azalo lenge mokolo biloleki lelo libela mitungisi pe minyoko na yo yebisa na ye ete a travers litere ya lelo yo omona lobiko na yo, omona delivrance na yo, omona nyonso oyo ebongi mpo na lobiko pe libiki na yo. Sambela na kombo na Yesu Kristo. Sambela molingami, tika moment favorable au namaboko na yo, nyake na parole qui peut te guérir, te sauver, te bénir, accomplir toutes les bonnes choses dans ta vie. Oh, kolo Yesu Kristo. Ya solo, tutangi dans le livre de la vérité, comment mettre na kati ya ba détresse na bango, baganga et pa na yo kolo. Otindela bango loko mosusu te otina beliloba, beliloba ebikisaki. Oui, Seigneur. Le CP du Seigneur, après-midi à l'élo, dite à l'élo, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et à Ponadina Nako. Bikisa, ko kambola, ko pesa kimia, ko kokisa nyonso et sengeli. Le col est comme la pluie, ainsi, dit le banaye, et sa bongo. Et son kakepana yote, n'a me arrosé ma belette, et pour finir, ni pas, et pas une anolonité. Oh, colo, nous avons la bombole. Tika ete, tobiki na puissance à parole, voilà. Et en particulier, nous allons bénéficier d'un mot colo sous Christo. Kokisa ando pona lukumu na yo. Nankomo na yo, colo, mon conchi, ton obix, na lisse Jésus Christo lobi. Amen. Amen. Ok, tout est remissé, mon sakoli. Et longona, mon bongo likota, koya kote abiso, enjili takatifu ya milele. Que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun. Que Jésus-Christ te bénisse vraiment, bien-aimé. Il faut toujours avoir la joie lorsque tu t'amènes dans la maison de Dieu. Amen. Pas comme les autres. Ce n'est pas une maison comme toutes les autres maisons. Cette maison dépasse toutes les villes fortes de la terre. Le lieu agréable où se rendre, c'est le lieu pour venir écouter la parole. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre 2021. Nous allons dans le deuxième saut. Nous sommes dans notre deuxième. Et par la grâce de Dieu, nous allons dans le deuxième saut. Et par la grâce de Dieu, nous allons les lire. Pasteur Seba Kolibola na Lingala. Et le pasteur Seba va nous aider avec la traduction en Lingala. Apocalypse 6, versets 3 et 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendais le second être vivant qui disait bien. Et il sortit un autre cheval haut. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes se gorgassent les uns les autres. Et une grande paix lui fit donner. Que Dieu bénisse les lectures. Awa nakati déjà toujours singa zambe ya sunga biso. Ici déjà dans cette lecture nous demandons l'assistance du Seigneur. Et toujours dit enseignant le Fils de l'homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Étant aussi le souverain sacrificateur que Zamba se fait là pour bénir sa parole. Et ma joie est qu'il a plu au Seigneur de nous donner sa parole.
C'est ça, et c'est ça la plus grande des choses. Parce que tous les restes des choses, le Seigneur les donne à tout le monde. Mais la parole appelle ça comme nous. Mais il ne donne pas la parole à tout le monde. Parce que la parole, c'est le salut éternel. Parce que l'ilobande zalilopiko ya seko. Et tous à la canne sengo. L'Assemblée des Saints, parce que le Seigneur a son parole. Dans la joie, dans l'allégresse, dans l'Église des Saints, parce qu'il a plu au Seigneur de nous donner sa parole. Il faut que la parole de Dieu est Il faut savoir que la parole de Dieu est donnée dans le mot et les termes. Si tu vois quelque chose dans la Bible, sache que c'est là une utilité. Proverbe 16:4 lobi. Proverbe 16:4 dit ceci. Nzamba saraki eloko nyonso na tina. Le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Et chaque fois le Seigneur a donné un message précis. Et chaque fois que le Seigneur veut donner un message avec précision. Alobaki na nombre 12 verset 6e. Il avait dit dans nombre 12 le verset 6. Ce qui un prophète dans un katina bino. S'il s'élève parmi vous un prophète, na kolobelaye na nzela ya vision na songe. C'est par des visions et des songes que je lui parlerai. C'est comme Azoy qui aussi Jean comme prophète. C'est comme il avait pris aussi Jean comme un prophète. A pessié ma vision. Il lui a donné les visions du ciel. Vision nyon se tape nyon soit a pessié ezanatina. Et toutes les étapes sont important. Mais pour comprendre yango, mais pour que vous arriviez à les comprendre, il faut toujours les écritures saintes misus. Il faut toujours regarder ou lire dans d'autres écritures saintes. Le Seigneur attambolera toujours les locaux à répéter plusieurs fois. Le Seigneur marche toujours avec une chose en la répétant plusieurs fois. Donc, ezala katena verset moko na Bible eza isolé. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui est isolée comme un enfant qui aime rester seul. Non. Si tu vois une écriture dans la Bible, ezala ba les autres écritures où ils ont acclamé. Sache qu'il y a d'autres écritures qui l'acclament. Oui, pour faciliter, pour comprendre. D'autres écritures qui vont faciliter sa compréhension. Chaque écriture. Chaque écriture dans la Bible. Et puis, c'est en bas de ça limité. Mais nous, étant des hommes, nous sommes limités. C'est Dieu éternel. Donc, celui qui avait donné cette parole n'est pas un homme de la terre, c'est Dieu éternel. Il est l'auteur de la parole. C'est lui qui est l'auteur ou le propriétaire de la parole. Mais en soi, Batouba Koma sous sa dictée. Mais il a pris des gens qui lui ont écrit la parole sous son inspiration. A besoin à l'Oba. Il a besoin de parler. A utilisé l'autre. Mais il a utilisé l'homme. Mais a yéda l'Obi na katiaba. Mais c'est lui qui parle à travers ses hommes. Yango tantôt dans la deuxième saut. C'est pourquoi lorsque nous remarquons le deuxième saut. Tozo remarqué cheval aza rou. Nous remarquons un cheval roux. Ensuite, si manango, tozo mona que nous voyons cheval mon matinango a eu pouvoir et un pouvoir fut donné à son cavalier. Ya kosala été ba toa tabazaki na problème te ba koma na problème ba bumana. De faire en sorte que qu'il n'y ait plus la paix parmi les gens afin qu'ils s'égorgent les uns les autres. Vous voyez le pouvoir qu'il a reçu. Donc, il peut entrer parmi les gens. Mais il a besoin du sang. Et c'est ce que nous remarquons. Et la manière dont il était monté. Dans son œuvre avec les chevaux roux. Azalaki na mopanga. Une grande épée qui lui était donnée. C'est pourquoi toutes choses nous l'expliquerons par la grâce du Seigneur. Vous voyez, le cheval était roux. C'est pourquoi nous avons jeté un regard par derrière. Nous avons regardé dans les livres de Moïse. Son nom signifiait le roux, motané. Donc, ça est l'imboya sang. Donc c'était le signe du sang. Nazui verset 26e. Je prends le verset 26. Ok, il tient le verset 27. Jusqu'au verset 27. L'écriture et le bibou. Tout bani même dans 25.
Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont le nom était, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans. Isaac azala ki na mbula 60. Lorsqu'il naquit. Tango babo tamaki. Donc, on peut remarquer que Ésaü yende kombo ezala ki roux. Donc, vous allez remarquer que c'était Ésaü qui portait le nom de roux. Maintenant, c'est que là qui tout a le mouvement Ésaü dans les Écritures saintes. Maintenant, il fallait que nous puissions voir le mouvement d'Ésaü dans les saintes Écritures. Ma belle oyo Ésaü azwa ki. La terre qu'avait reçue Ésaü. Ma ben ango terre ya Edom. On l'appelle la terre d'Edom. Bien montagne de Séir. Ou bien la montagne de Séir. Si vous voyez une prophétie sur la montagne de Séir, sache qu'on parle d'Ésaü. Si vous lisez où l'on parle d'Édom, sachez toujours qu'on parle d'Ésaü le roux. Maintenant, vous voyez aussi le texte. Ésaü a joua plusieurs rôles dans les Écritures saintes. Ésaü a joué plusieurs rôles dans les saintes Écritures. À cela aussi, il obéit mouvement à Ésaü. Le mouvement d'Ésaü aussi. Ésaü qui aussi comme un adversaire à Jacob. C'était aussi le mouvement d'un adversaire de Jacob. Tout à l'heure, qui aussi comme Dieu. Nous avions aussi montré que Ésaü représentait parfois aussi les signes de Dieu lui-même. Là, Tomonaki Ango Awawana, Genèse 32. Là, nous l'avions vu dans Genèse 32. 33. Genèse 33. Tango Bazo Kutana, Jacob s'est outipé à Laban, à Outikobala, Basinae. Lorsqu'il rencontre Jacob qui avait déjà épousé ses femmes, et qu'il s'est abotipé, et qu'il avait déjà eu des enfants. Maintenant, en chemin, il a entendu que venait Ésaü son frère. Si tu prends le verset 9, si tu prends le verset 9, dit le verset 11, jusqu'au verset 11, dans Genèse 33, Ésaü dit, Ésaü al-Baki, je suis dans l'abondance, mon frère. Nazali nakati ya garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je t'ai pris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Donc, au total, ici que Ésaü awa azota isa comme elembo ya Nzambe. Dans cette écriture, on montre que Ésaü représente les signes de Dieu. Parce que Jacob a fait comme il a Ésaü awa dans Genèse 32. Parce que Jacob s'était 33. Prosterné devant Ésaü dans Genèse 33 ici. Ba servante au bazali basia Jacob. Il y a deuxième rang, Fukamela Ésaü. Et les servantes, les femmes de Jacob de deuxième rang, s'étaient prosternées aussi devant Ésaü. Basinaye, Léana, Rachel, Nabana, Nabango, Fukamela Ésaü. Ses femmes et ses fils, maman, s'étaient prosternées devant Ésaü. Awa Ésaü, Aza, Ndege, O Jacob, Alobi. Ici, Ésaü est tel que Jacob l'a dit. J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Nathalie Elonginayo lo lenge moko batala ke lokianza. Mais Nathalie Sakiyo, c'est pourquoi je t'avais montré Ésaü Nathalie Saka Israël représente le peuple d'Israël. La lo lenge ke a perdra ki droit de naissance la parole. Et la manière dont il avait perdu le droit de naissance, la parole. Et le droit de naissance est comme panabiso, panation. Et le droit de naissance est venu vers nous, le nation. Na église. À l'église. Panabiso, tu connais comme véritable
Jacob. Là, nous, nous sommes devenus comme le véritable Jacob. Qui avons reçu la première place qui n'était pas la nôtre. Esaü atalisaka aussi Dieu. Esaü représente aussi Dieu lui-même. Awawana, Genèse 33. Par rapport à cette écriture de Genèse 33. Mais Esaü dans Genèse 27, verset 41. Mais Esaü dans Genèse 27, le verset 41. Atalisaka adversaire ya Jacob. Représente où est le signe de l'adversaire de Jacob. Il faut savoir comment classer chaque chose, les départager. Adversité wana kotele melawana. Cette adversité là bien aimé. Et botami po bénédiction eke na maboko ya Jacob. Tenez parce que la bénédiction fut transférée à Jacob. Yangwa kanaki aboma Jacob à cause de bénédiction. C'est pourquoi il avait prévu de tuer Jacob à cause de la bénédiction. Soki lelo Romain 2 bengi biso ba vrai. Circoncis. Si aujourd'hui Romains chapitre 2 nous appelle des vrais juifs, donc nous nous sommes appelés des vrais circoncis. C'est que Esa aussi na Esaü moko oyazo bundisa biso. Donc c'est que quelque part qui en a le dehors. Moyo des alité oyazali yango ya teka libanda. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Maintenant, on a commis le verset 29, viens à Romains 2. Maintenant, le verset 29. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, les véritables Juifs, ils ont des bisous. Donc, les véritables Juifs, c'est nous aujourd'hui. Parce que tu bongoli de motema. Parce que nous sommes convertis de cœur et non de chair. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Parce que quand tu as un peu à l'idée à mon thème. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes mais des dieux. Le coup de Mouyouda, c'est pas un peu à l'idée. Awa Mouyouda, l'écriture, c'est un peu à l'idée. Attaque, c'est un peu congolais dans l'autre. Ici, les juifs, selon cette écriture, c'est toi et moi, quand bien même nous sommes des Congolais dans la chair. C'est par rapport à la conversion du cœur. C'est pourquoi je montre comme ceci. À cause de la bénédiction, Oyo Ezaki na maboko ya Jacob. À cause de la famille, c'est ça. Élément Oyo, mon frère. Cet élément de mon frère. Et Talisaka Elembo, premièrement, ya premier Adam. Représente les signes de la naissance dans le premier Adam. Nakati a premier Adam. Dans le premier Adam, Islam muta Islam aza mon frère. Donc un musulman de l'Islam c'est mon frère. Muta Simo Kimbang c'est mon frère. Un Kimbangiste c'est mon frère. Pape c'est mon frère. Les papes de Vatican c'est mon frère. La première Adam. Dans le premier Adam. Yango Paul dans acte 17. C'est pourquoi Paul dans acte 17. Akutaki batumoko bazo sambela babikeko. Il avait trouvé des gens en train d'adorer des idoles. Amonaki pe ndapalo sambo moko kuna. Il avait vu aussi un temple là-bas. Bako bandimi église na bango ezala kombo ainyenkoni. Donc tout sambela nzambo toyebaka na biso. Là-bas dans leur église on prie un dieu inconnu. Et son esprit était irrité en voyant des idoles dans la ville. C'était dans un lieu de rencontre, de discussion et de débat. Maintenant, il commença à leur prêcher que c'est Dieu-là inconnu que vous ne savez pas. Et c'est lui que je viens vous annoncer. Nabana verset 15e, acte 7, 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui accompagnait Paul. Les conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournaient, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre plus tôt. Dans le verset 21, dans le 19, toujours dans l'acte 17,
Alors, il est pris. Et les menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, et dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. Ce que vous révérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Verset 28. Car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc étant la race de Dieu. Donc ici Paul était en train de montrer à ceux qui adoraient les idoles, ils sont aussi ses frères. Mais a précisé bien. Mais il a bien précisé. Adam. Nous provenons d'un seul sang, celui d'Adam le premier. À l'obité en Christ. Il n'a pas dit en Christ Jésus. Non. Parce qu'il priait ou ils adoraient les idoles. Parce que il priait des choses qui se voyaient à l'œil nu. Mais a considéré que tout qu'il en manque, c'est vrai. Mais il les a considérés comme des gens provenant d'un seul sang. Nous tous nous provenons d'Adam le premier. Moto frère nangai nanzoto. Un kimbangiste c'est mon frère dans la chair. Si vous avez la bande nanzoto na famille va sembler na catholique. Tu as aussi des frères dans la famille mais qui prient dans l'église catholique, mais ils sont tes frères dans la chair. Nous nous attendons. Ce sont tes frères par rapport au sang. C'est ce que Paul disait ici dans Acte 17. Mais à l'obité que frère en Christ. Mais il n'a pas dit qu'ils étaient ses frères en Christ Jésus. À l'obité par rapport à Makila, la première Adam. Mais il a dit par rapport au sang du premier Adam.
C'est pourquoi ce problème de Jacob et Esaü, c'est entre frères. Ils sont sortis d'un seul sein maternel. Mais ils sont devenus des adversaires à cause de la bénédiction du Père. Jésus-Christ avait dit qu'il est venu apporter l'épée. Et dans une maison, il va diviser le Père et le Fils. Il peut diviser les filles et leurs mères. Là, il parlait par rapport à l'enseignement pratique de la doctrine. Et les colobatés qui maman a la parole, yopé sœur a la parole, le dit que Zamba le baya au Kabola, maman a papa, maman a la moitié. Maman et la maman et ses filles sont dans la foi et pour dire que le Seigneur avait dit qu'il va nous diviser, non. Nous avons vécu toutes ces choses-là, nous tous, parfois dans notre famille, d'autres membres ne connaissaient pas l'évangile. Mais le Seigneur t'a appelé dans l'évangile. Comme il avait fait quitter Abraham l'idolâtrie et l'a appelé. Donc, adoration maintenant, Abraham, écoutez, mais l'adoration, il y a. Maintenant, l'adoration d'Abraham va s'opposer à celle de sa famille qui est restée dans le pays. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, Yangonde, je tuerai Jacob, mon frère. Ici, je parlais par rapport aussi à son frère. Je t'ai montré que il fallait que Esaü soit vraiment le frère de Jacob. Esaü signe Yakolomela ici d'un seul sang. C'est le signe de parler des gens qui sont ici d'un seul sang, d'une même famille. Pape, c'est mon frère. Le pape de Vatican, c'est mon frère. Na premier Adam. Dans le premier Adam. Mahomet, c'est mon frère. Mahomet, c'est mon frère. Dans le premier Adam. Dans le premier Adam. Mais dans le but, c'est un frère de l'évangile éternel. Je n'ai pas dit que c'est le frère de l'évangile éternel. Mais c'est mon frère, mais qui me combat. Azan de Konanga, mais où est-ce que tu as dit? Ah, on ne va pas comprendre le langage de la Bible. J'aimerais que vous compreniez le langage biblique. Et Dieu bénisse. Amen. Et Esaü a bon guise qui programme. Et Esaü avait conçu un programme pour Nakoboma, son frère, pour tuer son frère à cause de la bénédiction. À cause de la bénédiction. Mais quand est-ce qu'il avait dit qu'il le fera? Au jour de deuil de mon père. Namikolo ebele yamatanga tata nangai. Tomoni tata plaswana Esa Isaac. Nous avons vu le père en cet endroit-là, c'est Isaac. Isaac a zalaka elembo, il y a sacrifice aussi. Isaac, c'est aussi le signe du sacrifice. Parce que Nzambe a senga ki Abraham, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Parce que le Seigneur avait demandé à Abraham son fils Isaac, qui était l'unique. Place wana etali sakaboye. À cet endroit-là, la signification de cet endroit-là est comme ceci. Dans Genèse 22. Dans Genèse 22. Et Talisarakenzam Berzali, cultivateur. Donc cela représentait que le Seigneur est un cultivateur. Un cultivateur, s'il sème sa semence, il viendra toujours moissonner sa semence. Il avait donné Isaac comme semence. Il faut qu'il vienne moissonner Isaac. Yangoyaki na moisson na Genèse 22. C'est pourquoi il était venu dans Genèse 22 comme le jour de la moisson. Et Talisaka signe à moisson. Cela représentait la moisson. Okoa moissonner loko yolonaki. Tu ne moissonneras que ce que tu avais semé. Isaac aza comme sacrifice. Isaac est comme le sacrifice. Et ce qui t'ouvre Galates 3, verset 16. Et si nous prenons Galates 3, le verset 16, qu'on a basolo belasur la promesse au épisamaki na Abraham et na postérité Abraham. Là-bas, on nous parle de la promesse qui était faite à Abraham et à sa postérité. Alobeli
On a pas dit que la promesse a été faite aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à une seule postérité. Maintenant, lorsqu'on cite cette postérité, dans l'ombre, cette postérité, c'était Isaac. Mais dans la réalité, qui est-ce qu'on a cité comme postérité? Galates 3, verset 16. Lisons cette écriture dans Galates 3, le verset 16. Galates 3, dans verset 16. L'écriture nous dit ceci. Or, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Mais quand si ezali de kitani moko et à ta postérité. Na kitani na yo moko. Maintenant balingi batanga postérité yango. Maintenant on veut expliquer ou citer cette postérité. Parce que batonyo so bayebaka postérité Abraham et Isaac. Parce que tout le monde connaît que la postérité d'Abraham c'est Isaac. Maintenant Paul a moni musika. Maintenant ici Paul a vu dans la profondeur. Alors c'est-à-dire elingi koloba à Christ. Na Christ on est. Donc Isaac, véritable Isaac, c'est Christ. Donc Isaac, véritable, c'est le Christ de Jésus. Maintenant, Esaou n'a pas dit que les jours de deuil de mon père approchent. Esaou a l'obat dit, Mikolebele a matin à tata n'a qu'ils ont poussé. Tant où y a moins de coco que papa en a poussé. Lorsque ces jours-là arriveront et que les pères meurent, moi, Esaou, je tuerai Jacob, mon frère. Esaraki, un mystère. C'était un mystère, une chose cachée. Parce que ce retenu dans verset 41, Balobi, qu'il parlait dans son cœur. Parce qu'au verset 41, on dit qu'Esaou parlait dans son cœur. Or, il n'y a qu'un seul qui sonde le cœur et les reins. Donc, quand Esaou dit qu'il y a un mot, il n'y a pas de mystère. Parce que Esaou le disait dans son cœur. Mais au verset 42, on dit Bayaka koye bizarre mekali solo. Oui, tu es bien. C'est celui qui sonde le cœur. Nous savons c'est on là, c'est celui qui sonde le cœur. C'est lui. C'est Dieu. Amen. Amen. Mais dans tout cela, selon notre marche, Écriture, il y a verset 41, il y a Genèse 27. L'écriture de verset 41 de Genèse 27. Nous voyons la mort d'Isaac. Donc les jours qui seront comme le jour du deuil d'Isaac. Jacob sera tué par Esaou son frère. Si tu remarques dans la chair comme ça physiquement, on a vu dans Genèse 33 que Esaou n'avait pas tué son frère Jacob. Comment c'était l'écriture? Le coup les a commis. Il faut au temps pour comprendre. Il faut que nous marchions pour comprendre cela. Parce que Jacob Israël. Parce que Jacob, Israël. Et un peuple mobimba ou taki Égypte. C'est vraiment le peuple qui provenait de l'Égypte. Et Israël. C'est lui Israël Jacob. Esaou demain. Esali botanion soboya Edom. Donc c'est tout le peuple d'Edom. Edom Esala qui banaya Esaou. Ibota. C'était la famille ou le peuple qui était Esaou. Tous ceux qu'on a mal. Maintenant, Isaac, Oyo Azali, signe, il y a Jésus-Christ. Maintenant, Isaac qui est le signe de Jésus-Christ. Pour te confirmer dans Galates 3, verset 16, que place à Isaac, ils ont des Christ et Jésus. Parce que nous avions confirmé dans Galates 3, 16, à la place d'Isaac, c'est Christ et Jésus. Christ et Jésus, on en est dans Jean chapitre 1, verset 29, dans 30. C'est Christ et Jésus là dans Jean chapitre 1, verset 29 et 30.
Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est que l'agneau de Dieu c'est Isaac. C'est-à-dire l'agneau de Dieu c'est Isaac. La mort de l'agneau pascal, liwa ya mwana pate ya pasaka, c'est la mort d'Isaac. Nzali liwa ya Isaac. Isaac l'homme tomoni ya kufi. Isaac l'homme tomoni ya kufi. Isaac l'homme physique nous l'avons vu mourir. Mais la répétition mort Isaac Ezali la Pâque na Exode 12. Mais la répétition de la mort d'Isaac c'est ça la Pâque d'Exode 12. Parce que l'agneau c'est Christ. Parce que l'agneau c'est le Christ de Jésus. Christ c'est véritable Isaac. Et le Christ c'est le véritable Isaac. Donc quand la mort agneau d'Exode 12 c'est la mort de mon père. Quand comme la mort de l'agneau dans Exode 12, c'est la mort de mon père Isaac. Donc les jours de deuil de mon père Isaac voyage dans le désert. Donc les jours du deuil du père, c'est tous les voyages du désert. Il y a monde, ma pierre, ma posa qui Jésus. C'est pourquoi les apôtres avaient posé à Jésus la question. Où sera ce Seigneur? Et qu'on kawa pinkolo. Alors, là où sera le cadavre? Et si quand est bébé qu'on s'en là? Là s'assembleront les êtres. Effectivement, la marche boyé. Effectivement, bien aimé dans la marche. Dans ce monde, le lengue oyo église azana marche. Nous voyons la manière dont l'église est dans la marche. Par rapport à l'enseignement. Par rapport à l'enseignement qu'elle a. Mais cette rencontre, Jésus, le baga dans Matthieu 24, le baga dit comme enlèvement. Mais cette rencontre, Jésus, dans Matthieu 24, parle au sujet de l'enlèvement. Vous suivez attentivement. Comment est-ce qu'il va rassembler son peuple pour le départ? Mais pratiquement doctrinal aussi. Mais pratiquement dans l'enseignement pratique. Et si la parole a bien sali. Là où il y a la bonne parole. Il y a un monde dans le baguette que vous mangerez la chair et le sang. C'est là où il avait dit Bokolia Sunipe Matia. Vous mangeraient bi. Vous savez, les anciens sur la montagne Balia Pebamela. C'est dans Exode 24. Et ça, dans Exode 24. C'est parce que les sacrifices étaient faits. C'est parce que les sacrifices étaient faits. Il devait manger la chair et boire le sang. Et c'est que là qui balia suni peba mela makila. On a dans Exode 24, ils ont mangé, ils ont mis du vin. Et là-bas dans Exode 24, balia qui peba mela qui vigno. Mais le vin était ça aussi le sang. Mais le vin représente aussi le sang. D'après Deutéronome 32, verset 14. D'après Deutéronome 32, le verset 14. Donc, voyage au monde dans le désert. Donc, tous les voyages que tu vois dans le désert. Et t'as les jours de deuil. Représentent les jours du deuil du Père. Je suis dans la moi. Amen. Comprendre, je veux que tu comprennes ces choses. Yango ko remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer, bien-aimé. Marche à Israël à savoir que dépend l'accomplissement et la promesse de Genèse 15. La marche que faisait Israël, c'était pour l'accomplissement de la promesse de Genèse 15. Mais à Koutama qui pena Edom. Mais Israël avait aussi croisé Edom. Na voyage ou un. Pendant les voyages qu'il effectuait. Edom c'est Esaou. Edom c'est lui Esaou dont nous parlons. Dans Nombre, chapitre 20. Nombre chapitre 20. L'écriture et le Bible. L'écriture nous dit ceci. À partir du verset 17. À partir du verset 17. N'attaque verset 14 à 15, après n'a 17 à 20. Je lis les versets 14 et 15, après je saute jusqu'à 17 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De Kadesh Barnea. Moïse envoya des messagers au roi d'Edom. Mose atinda ki ba memisango e pa ya mokota Edom. Edom ezali famille ya Esaou. Edom c'est ça même la famille d'Esaou. Que Dieu bénisse. Amen. Wana ndeza famille ya Esaou. Et c'est ce qui est la famille d'Esaou. C'est ça Edom. Et c'est ça Edom. Parce que ceux qui les Kamboyo au Simbiango Biente. Parce que si tu ne saisis pas. La suite Genèse 36, verset 1. Genèse chapitre 36, le verset 1.
Avant Zonga, Nakozonga, on a peine un nombre 20. Natanginano, Genèse 36, verset 1er. Voici la postérité de Saul. Tala Kitania Esau. Qui est Edom. Esau Boyazali Edom. Ça va? Vous comprenez? Mon écriture claire, Edom, Esagande Esau. Vous avez vu clairement l'écriture que Edom, c'est lui-même Esau. Mais là, tu as vu verset 8, il y a Genèse 36. Maintenant, nous prenons le verset 8 de Genèse 36. Esaü s'établit dans la montagne de Seir. Esaü a quitté qui confond dans la combat Seir. Esaü, c'est Edom. Esaü de Edom. Ça va? Donc, ce qu'on dit, on dit montagne de Seir. Si tu entends parler de la montagne de Seir. Déjà, on m'a écriture autour de Gopes. Déjà, tu vois l'écriture de Genèse 36. Esaü, place de Esaü. C'est là où Esaü s'établit. Si on te parlait d'Edom, c'est toujours Esaü. Maintenant, dans le voyage à Israël, a commis Awa en nombre 20. Il est, Kades, Barnea, Tanazoleka. Il est arrivé ici dans nombre 20 de Kades Barnea. De Kades Barnea, Moïse envoya des messagers, dans verset 14. Où t'as qu'à Kades Barnea, Mose a tini ba memisango. Au roi d'Edom. Et à mon compte Edom. Déjà, tu connais dans Genèse 36, Edom César. Déjà, dans Genèse 36, on a fait voir qu'Edom César. Pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. On a expliqué au frère, c'est par rapport à la chair. Je t'avais expliqué que ces frères ici, c'est par rapport à la chair. Prophétiquement, ici, d'un seul sang. Prophétiquement, Ezakozoa Manamakila, mon coeur libota. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte. Et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités. Nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel. Et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale. Chemin yagneau est la route royale. Le chemin de l'agneau, c'est la route royale. Et route royale est dans la loi royale. Et dans la route royale, il y a la loi royale. Jacques est bien dans la loi royale, l'amour. Et Jacques appelle mon père pour vous continuer pour l'ingo. Gardez les commandements de Dieu. Et quand vous êtes dans la loi royale, et lorsque tu as cette loi, aux autres temps, dans la route royale, tu marches avec elle dans la route royale. Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ avait dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Dans Jean 14. Dans Jean 14. Ils avaient demandé de traverser les territoires. Laisse-nous passer par ton chemin, verset 17. Verset 17, il y a nombre 20. Nous ne traverserons ni les champs, ni les villes, et nous ne boirons pas l'eau du puits. Royal. Sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et dans lui, pour empêcher la marche d'Israël au jour de deuil. Les enfants d'Israël lui disent, nous monterons par la grande route. Et si nous vivons ton nom, moi et mes troupeaux, j'en payerai les prix.
Je ne ferai que passer avec mes pieds. Par autre chose. Awa wa Moïse azwaki tout le peuple d'Israël a koti bango na kadina. Ici Moïse avait pris tout le peuple d'Israël pour le faire entrer en lutte. Abandonné le ménager. Il a commencé à parler de Jésus. C'est bien vraiment d'être en Christ Jésus. Quand il y a un combat, lorsqu'il y a un combat, c'est retrouver la gagne à Christ. Retrouve-toi en Christ Jésus. Ici, Moïse n'a pas employé nous de plus rien. Non. Il a pris tous les enfants d'Israël et a fait entrer en lui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Aujourd'hui, nous tous sommes en Christ. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en Christ Jésus. Nous combattons dans la victoire. Nous sommes dans la Katia et Longa. Alobi. Et donc, lui dit, verset 18. Et donc, à Ébissier, qui ne passera point chez moi. Yoko le kaka te. Sinon, je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Voilà les dons. Voilà les dons. Esaou. Esaou. Azalaki wana pour empêcher marche à route royale. Il était là pour barrer les chemins de la route royale. Et tant que nous avançons avec l'écriture. Et lorsque nous avançons avec les écritures, Nakatia Esaou. Donc Esaou, Edom, qui est Edom, ou bien montagne de Séhir, ou bien montagne de Séhir, Ézéchiel 35 est le livre. Ézéchiel 35 nous dit ceci. Verset 5-6. Le verset 5 jusqu'à 6. Ézéchiel 35. Ézéchiel 35. L'écriture est le livre. Donc on va même partir avec ce premier. Ézéchiel 35. Le verset premier. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir. Tout le monde a qui montagne de Séhir, dans le verset 8e, il y a Genèse 36. Et prophétise contre elle. Qui lui dira ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici j'en vais à toi. Montagne de Séhir. J'étends ma main sur toi. Et je fais de toi une solitude dans un désert. Je mettrai tes villes en ruine. Qui deviendra une solitude. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Pourquoi Zamba va frapper montagne de Séhir pour frapper Edom? Pourquoi le Seigneur va frapper Edom, la montagne de Séhir? Alors, verset 5. Il a dit au verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle. Parce que tu as précipité par les glaives les enfants d'Israël. Au jour de leur détresse. Au temps où l'iniquité était à son terme. Verset 6e. Je suis vivant. Qui le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang. Et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang. Le sang te poursuivra. Ici, on est en train de montrer. Parce que Ézéchiel n'a tant eu basaki na captivité na Babylone. Parce que en ces temps ici, Ézéchiel était en captivité dans Babylone. Les peuples d'Israël, le peuple d'Israël, maison de Juda, Ezalinda Koyuta, Akenda ki poumbu na Babylone, était allé en captivité à Babylone. Iniquité na katinae. Parce que le Seigneur avait trouvé l'iniquité en elle. Prophétie wana David a cette prophétie David l'avait déjà connue bien avant.
bas siècle belé avant et comment. Bien des siècles avant que cela n'arrive. Parce que Moussa Koli. Parce que un prophète. Likambo koza la na 2021 mais yé amoni ango pene taza na 2025. Le problème peut être en 2021 et lui le voit comme s'il en 2025. Mais Moussa na 1997. Mais vous êtes en 1997. Alors belé ango za na 2021. Il a dit que la chose est en 2021. Amoni ango nenge za na ki nengi pe sili nengi pe eza résolu. Il a vu comment le problème est, comment est-ce que cela a pris fin, comment est-ce que cela est résolu. C'est extrêmement David en psaume. Il chantait la captivité d'Israël à Babylone. Nalera David ba Israël tibazaki ba umba ba nation te. Du temps de David, les enfants d'Israël n'étaient pas captifs des nations. Non. Vous suivez attentivement. Mais David chante. Il montre comment les choses se passeront dans la suite. Mais David parlait comme si la chose était déjà passée. C'est pourquoi au verset premier, il y a psaume 137. Les psaumes 137. Alors, sur les bords des fleuves de Babylone. Zinga zinga ya bama ya Babylone. Nous étions assis et nous plairions. Tozalaka wana tofandi pe tozo lelaka. Donc alobineti eleka. David parle comme si l'événement était déjà passé. Or, non, était. Or cet événement n'était pas encore arrivé. En nous souvenant de Sion. Nakokanisa pe ngumba Sion. Mena yoka ndenge makambango ezalaka. Maintenant, écoute comment est-ce que David avait vu ces choses se passer. Mais lorsqu'il avait vu, cet événement n'était pas encore accompli. Mais David a parlé comme si c'était déjà passé. Et cela a pris. Et qu'il retourne encore dans leur territoire. Mais il avait donné la promesse divine. Que Zamba kobosa naka Jérusalem, quel que soit le problème. Que le Seigneur n'oubliera jamais Jérusalem, quel que soit le problème. Alors, dit le verset 5. Le verset 5. Si je t'oublie, ce qui n'a pas sa vie, Jérusalem, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Le mot qu'on a appelé à Mobali est pour sa nangaï. Donc, il y a un colobac qui est faible. Cela veut dire que je suis faible. Le Seigneur ne peut jamais t'oublier, bien-aimé. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Il ne peut jamais t'oublier tel que tu es. Il te prend comme si il t'a tenu dans sa main. Oui. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi. Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, le Seigneur aime que tu sois dans la joie et cela aussi lui donne la joie. Quel que soit le problème comme elle qui Jérusalem. Quel que soit le problème qui était arrivé à Jérusalem. Et puis Jérusalem na tawana asalaka mabe. Et puis Jérusalem à ce temps-là était dans l'iniquité. Azabolo bela tambo ezo ya ya Jérémie. David parlait du temps de Jérémie qui devait arriver. Oyo Israël a tosakate. Que Israël n'avait pas obéi. Akebo. Il est allé en captivité. Mais Amesha sakola. Mais le Seigneur avait déjà prophétisé. Atabakena bo. Même s'ils vont en captivité, les seigneurs le fera retourner dans leur territoire. Un enfant de Dieu ne va pas pour du bon en captivité. Il faut qu'il retourne pour adorer le Seigneur. Maintenant, le dit au verset 7. Maintenant, il dit au verset 7. Il y a psaume 137. Éternel, souviens-toi des enfants des dons. Yahweh. Kanisa bana ya Edom. Oui, dans la journée de Jérusalem. Ba oyo na mokolo bazala ki kobuka engumba Jérusalem. Dize bazala ki koloba rase ulungula kobuka rase kobuka penza jusqu'à ses fondements. Ti na ba moboku nango. Abias na mona ki yango lisusu. C'est Abias qu'il avait vu encore. Tangi Abias. Nous lisons Abdias.
Ézéchiel 35 le dit, il montre comme Ézéchiel 35 le dit, et d'homme qui a aimé les sangs. Yolinga kimakila. Au sepela qui peut sacrifier Israël. Tu avais désiré sacrifier Israël, ton frère. Tala Abdias Nengazoloba. Maintenant, écoute les paroles du prophète Abdias. Livre Abdias Ezaga na chapitre moko. Les livres d'Abdias n'a qu'un seul chapitre. Soko si Amos de Abdias. Si tu termines les livres d'Amos, et puis vient le livre du prophète Abdias. Prophète Oyo a prophétisé les gars l'Ikoloya. Édom. Ces prophètes n'avaient prophétisé que sur Édom, contre Édom. Et puis il a fini son ministère prophétique. Il n'avait parlé que d'Édom. Verset par verset. Donc, verset par verset, il n'a parlé que d'Édom. Il est en train de détailler Édom. Alors, Édom, vous en êtes-y. Aigle moko au fond dans les rochers au niveau du colomain, zamba ko kitsayo. Il a dit que Édom, tu es comme un aigle dans les cimes des rochers, mais le Seigneur va te précipiter. Oza orgueillé. Oza lo lendo. Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Lo lendo monte manayo e bungisio. Toi qui habites les crêts des rochers. Yo yo fadi na kati ya mama banga minene. Qui t'assied sur les autels? Yo fadi likolo ba komba. Et qui dit en toi-même? Pe osali na komi lobela yo moko. Qui me précipitera jusqu'à terre? Nani akubwa kanga kino na se. Parole est à répéter dans Apocalypse 18. Cette parole est répétée dans Apocalypse 18. Parce que tout ça est donc. Parce que nous parlons sur Édom. L'Apocalypse azo comme Babylone la grande. L'Apocalypse c'est Édom devient Babylone la grande. Yende na katine ba trouva ki les sang. C'est en elle qu'on avait trouvé les sang des sang. Maintenant Édom. Maintenant Édom. Soko tani caractère Édom. Si tu vois le caractère d'Édom. Na bonzo to boy bazalaka mayele makasi. Dans la chair comme ça, ils étaient très sages, très intelligents. Kakandenge. Seulement comme sont ceux-là de l'église catholique. Dans le verset 8. Le verset 8. Toujours Abdias. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dons les sages. Et de la montagne des Zaou. L'intelligence. Là, lorsqu'il vient juger. Donc, Esaou, très intelligent dans ma belle. Donc, Esaou, le fils de Dom, était très intelligent sur la terre. Très sage dans ma belle. Très sage sur la terre. C'est textuellement tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez aujourd'hui. Les gens très sages de ce monde. Ce sont là Esaou, les Édomites. Vous suivez attentivement. Maintenant le Seigneur a dit au verset 15. Maintenant le Seigneur dit au verset 15. Mais yo ko kele ko tanga page moko kaka ya Abdias. Mais toi tu n'iras lire que cette seule page d'Abdias. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations. Donc, on prend toutes les nations de la terre. Et on les fait enfouir ou entrer dans Esaou. Il te sera fait comme tu y avais. Et que ça la melayo tenge yo salaka. Les nations, mais il te sera fait. Mais on dit les nations au pluriel, mais c'est que ça la mêlée au moto manque. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Mais ça la naïo que quoi y'a Nicolas Motou naïo. Pourquoi le Seigneur a jugé Édom Esaou? Pourquoi le Seigneur juge Édom Esaou? À l'obi, dans le verset 11. Il dit au verset 10. Et 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob. L'ikolo ya mabe o salande kona o Jacobo. Tu
tu seras couvert de honte. Yoko si pa mana soni. Et tu seras exterminé pour toujours. Quand? Au jour de l'Éternel. Et jour de l'Éternel, les Armageddon. Le jour de l'Éternel, c'est la bataille. Qui est-ce que le Seigneur viendra frapper? Ésaü. Ésaü. Et donc, c'est ça Abdias. Et c'est ça le livre d'Abdias. Il a aimé les sangs. Parce qu'on avait trouvé dans Ésaü l'amour du sang. Et puis, Barobi, et puis on dit encore, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Les jours où tu te tenais en face de lui. Là, c'était dans nombre 20. Infraction. Le Seigneur avait retenu cela comme une infraction contre l'homme. Le frère Jacob Azoya. Le frère Jacob venait provenir. Il a empêché de continuer marche et promesse. Et toi, tu l'as empêché de continuer la marche de la promesse. Tous ceux qui s'opposent à toi cherchent des problèmes contre Dieu. Même si tu ne les vois pas aujourd'hui. Toi, il ne faut pas prier le retour à l'expéditeur. Au sein de la monnaie. Yakanio liwa yo pio bongani. Lui te promet la mort et toi si tu te prépares de ton. Liwa ezongakun. Que la mort lui retourne. Wane zalaka peur. Ozo barlande. Ça c'est la peur, la crainte. Nzamba lobi ne rendez pas le mal pour le mal. Ozongi sa mabe tie likolo mabe. Pardonnez. Limbisa mabe. Si ton ennemi a faim, ce qui monguna no azali na nzamba. Donne-lui à manger. Pese ya kolia. Mais Nzamba lobi c'est comme le charbon de bain de feu que tu mets sur sa tête. Et le Seigneur dit ça lokola makala moto tie na motu na ye. Alobi komisa la justice te. Il a dit que ne te fais pas justice. Yo limbisa. Toi pardon c'est mais ebisi yo. Mais il t'a dit à moi la vengeance. Ngai de kosongi c'est la bato mabe o basalaka. À moi la rétribution. Pengane ko futa bango na misa. Alobi yo te. N'a pas dit toi. Yende. Lui le Seigneur. Yo ebisi yo limbisa. Toi il t'a dit de pardonner seulement. Ko kanga pe moté maté vis-à-vis à mutasani o mabe. Non. Il ne faut pas aussi avoir de la haine contre celui qui te persécute. Pardon. Toi pardonne seulement. Merci. Évoluez librement. Évolue librement, bien-aimé. Sache que le Seigneur regarde tout ce qui se fait sur la terre. Le Seigneur azotangela Edom akambo. Le Seigneur est en train de d'imputer Edom ou de citer le mal d'Edom. Alobi otelemelaki Jacob. Il avait dit que tu t'étais opposé contre Jacob. Abakisi aussi. Il a encore ajouté. Les jours où des étrangers amenaient captifs son armée. Mukolo oyo bapaya ya Babylone. Basala ki komema na bo. Donc, lorsque Israël allait en captivité à Babylone, déjà David a prophétisé. Déjà David l'avait déjà prophétisé. Ah, Edom. Il a dit Edom. Yo solo ba rasé. Pourquoi il s'appelle ça? Or makambona ne yete. Cet événement-là n'était pas encore venu. Mais David prophète. Mais David est un prophète. Il avait vu que Edom souhaitera le malheur de Jérusalem. Alors, les jours où des étrangers amenaient captifs son armée, ou des étrangers entraient dans ses portes et jetaient les sorts sur Jérusalem. Et Zalaki n'a ni Babylone. Donc c'était les Babyloniens. Yokane Zambalobi. Maintenant écoute comment le Seigneur dit. Toi aussi. Yopé et donc. Qui était comme l'un d'eux. Osalaki Lokola Mokona Bango. Passage au nez la tissue Varese à Babylone. Donc c'est ce passage qui fait des dômes Babylone la grande. Donc toi aussi. Qui était comme l'un d'eux.
moko ya mabaya wana ya Babylone. Edom, lorsque le Seigneur regarde Edom, il voit Babylone. Azomona Babylone. Et a trouvé que Edom a telle magana épée pour alinga a exterminer Jacob. Et le Seigneur voit que Edom s'oppose avec l'épée contre Jacob pour l'exterminer. Et Edom c'est le roux. Et Edom c'est le roux. Vous suivez attentivement. C'est pourquoi vous allez voir dans Esaïe 63. Sur les jours de l'Éternel. Lorsqu'on parlait du jour de l'Éternel, on présente ces jours-là comme les seigneurs qui viennent de frapper ou de juger ceux des hommes. Et c'est ce qui nous confirme que dans Apocalypse, Babylone, Apocalypse. Babylone, quand on parle d'Apocalypse, dans l'ombre c'est Edom. Dans l'ombre c'est Edom, Esaou. Vous allez en malin. Vous suivez attentivement. Il y a encore remarqué dans vos yeux Esaïe 63. C'est pourquoi lorsque vous prendrez Esaïe 63, l'Écriture nous dit ceci. L'Écriture nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il n'a pas encore le Jésus-Christ. Verset 1. Le verset premier. Qui est celui-ci qui vient d'Edom? Oh, les alina n'y a zo outa mboka Edom. Des botsera. Na ekumba botsera. En vêtements de sang. Na bilamba yamakila. En habit éclatant. Na bilamba okongenga. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Écoutez les makoya na litundu ya. C'est moi qui ai promis les salis. Qui est le pouvoir de délivrer. Salut, les salis n'est pas seulement pour nous l'église, et même le salut d'Israël viendra aussi dans la suite du temps. Parce que Balobi, le libérateur viendra de Sion. Parce qu'on dit que mon kango liakouta na mboka Sion. Selon verset 27e de Romains 11. Selon le verset 27 de Romains chapitre 11. Nazo continue autant au verset 2e. Je continue le verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma virée. L'air sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai souillé tous mes habits. Là, ils allaient jour à vengeance. Là, c'était le jour de la vengeance. Et de qui est-ce qui venait de frapper? Edom. Edom. Parce qu'à la gare, on a diaspé. Parce qu'il avait déjà promis dans Abdias. Donc c'est que dans tous les mondes dans les roues, c'est que lorsque nous voyons le roux, c'est le signe du sang. Et ça lié le poids maquila. Parce que Edom, en Ézéchiel 35, il aime beaucoup le sang. Parce qu'on avait fait voir Edom dans Ézéchiel 35 qu'il aimait beaucoup le sang. Maintenant, tant que nous avons en réalité. Maintenant, lorsque nous voyons cet Edom ou Esaou dans la réalité, nous avons en Apocalypse 18. Apocalypse 18. L'écriture est le Bible. L'écriture dit ceci. Tant que vous châtiez Babylone. Lorsqu'on châtie Babylone la grande. Déjà dans Abdias, Zambé a l'obagi que Babylone est aussi Edom. Déjà dans Abdias, le Seigneur avait dit que Babylone c'est Edom. Verset 24. Le verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes. Pour être bakouti katinae makila ya basakoli. Et des saints. Paix, Makila Basantu. Et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Paix, Yabayenyon,
nyonso makila ba nyonso ba boma bango na mabele. Oh, c'est verset 24. Ici c'est le verset 24. Ata ba bomi ba tonanzela bunya. Même si on tue les gens sur les chemins de Bunya, donc c'est le sang de Dom. Parce que c'est le verset qui le dit, ce n'est pas moi votre frère. Amen. Il a aimé le sang. Il y a l'inga qui m'a qu'il a mis. Et dans l'Apocalypse, et lorsque nous lisons Apocalypse, c'est Babylone la grande. Nezali Babylone mon aîné. Yewanande bazo présenté awawa. C'est elle que l'on présente ici. Apocalypse 17 encore. Apocalypse 17 encore. Verset 4. Le verset 4. Na 5. Et le verset 5. Na kemba mon azu verset 6. Je prends le verset 6. Ya Apocalypse 17. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Namoni moi si wana alambo makila ya ba santu. Donc abomi vraiment. Donc elle avait vraiment tué les saints. Et du sang des témoins de Jésus. Mais makila ya ba nyonso bazala ki kobati na lité ya Yesu pe kote. Et en la voyant, pe na katsa komona moi si wana, je fus saisi d'un grand étonnement. Ngai na simba maki na kukamwa makasi. Niveau ya makila o ya zwa ki wana ya ba santu. Le niveau du sang des saints que cette femme avait. Et y a qui Jean somme. Cela avait créé un grand étonnement dans Jean. Tamboazo mona wana. Lorsqu'il voyait, azotali sana makamonyo se koyaka dans la suite des temps. Il voyait même tout ce qui viendrait dans la suite des temps. Ozora na malam ne ngam ezali. Vous suivez attentivement? Donc c'est que, c'est-à-dire bien-aimé, qu'on va égorger sur la terre, bah il y a son yo bah bon bah bon à ma belle, ou bien la Bible est en a raison, ou bien bah tout n'est pas en a raison, ou bien la Bible a raison, ou bien ce sont les hommes de la terre. Mais Romains 3 verset 4 le dit, tout homme a la reconnaissance. Mais Romains chapitre 3 dit mon Dieu, nous sommes à la montagne le couta. Dieu c'est le vrai. Ça même on va couta ma montagne solo. Balobi azali na pouvoir. On a dit qu'elle a le pouvoir. Vous êtes deux pays, bonsoir Nagate, ma bonsoir Sabine. Vous êtes deux pays et que vous ne vous disputez pas, mais il va vous faire disputer, il va enlever la paix. Ça, on appelle ça pouvoir. Donc, on s'en va pouvoir, bon. Ce qu'on appelle pouvoir là, ce qu'a Sibi Oyo expliqué. Donc, si il explique à celui-ci, il termine avec celui-ci. Il touche encore un autre, il explique. Les hommes doivent s'égorger. Et directement, les hommes doivent s'égorger. La paix doit être ôtée. À ça, le pouvoir, ce cavalier roux a ses pouvoirs. Au sera là, madame. Nous suivons attentivement. Mais à vos bimalimana, parce qu'il agit en mystère. Mais il sera dévoilé parce qu'il agit en mystère. Parce que Esaou a le bagin na katia motema. L'olinga komoma. Parce que Esaou l'avait dit dans son cœur, comment est-ce qu'il va tuer? Mais on rencontra Rebecca. Kasibaya ki kobete la ngolo kola li solo na moi si Rebecca. Rebecca c'est le ministère de la parole. Et Rebecca yende musala lotomo. C'est comme nous sommes là les serviteurs. Sango esa komoma man. Donc le mystère caché. Nous allons les dire du haut de la chair. Donc préserver Jacob. Nous allons préserver Jacob, le fils de la promesse. Vérité kobungate. La vérité ne disparaîtra jamais. Yango le Seigneur en Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Bokoyo kabazolo bela bitumba pe ba makelele ya bitumba. Vraiment avec plus de sérieux. Mais vous allez voir des gens avec beaucoup de sérieux. Hitler a l'air de bitumba. Hitler veut aller à la guerre. Nathanaël. En son temps. Papoté pamboli barme. La papoté bénit les armes d'Hitler. Ne vous inquiétez pas. Allez, faites votre travail. Les allez. C'est, ça est là dans l'histoire. Là, il est là un homme de paix. Non.
ce n'est pas la paix. Azana pouvoir ya kolongola kimia. Il a le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. Azo persécuté aujourd'hui, il persécute Israël qui est l'église aussi. Il persécute Israël aujourd'hui qui est aussi l'image de l'église. Bakota aussi na ko permettre ko faciliter la mort aussi à ba juif boyanzoto. Le cavalier roule avait aussi facilité la mort des juifs comme ça dans la chaîne. En Allemagne. Un documentaire wana là dans ça mon talango dédié à la fin. Moi-même je l'avais suivi du début jusqu'à la fin. En Allemagne bien-aimé attaque là dans l'ancien temps économie allemande ba banque allemande ezalaki nde ya ba juif. L'économie allemande était entre les mains des juifs mais le nazi parti à Hitler. Le parti d'Hitler. Avait besoin de ravir toutes les banques juives. Wana ba juif bazate ke o bazana témoignage de Jésus. Non, là c'était pas que les juifs avaient les témoignages du Christ de Jésus. Non. C'était pas ça. Mais tout total est saqué. Mais nous montrons seulement. On a trouvé le sang de tous ceux qui étaient égorgés sur la terre dans cette femme là, Babylone, Esaou. C'est ça l'écriture. Et c'est ça l'écriture de Dieu. Vous aurez un amalan. Amen. Aujourd'hui, les lots, des saints sont persécutés aussi sur la terre à cause de l'évangile. Mais Dieu. Mais. Les seigneurs. Azali oya pourvoya ka toujours protection à bananae. Et celui qui pourvoit à la protection de ses enfants. Protection na munene zali ke o trahir parole te. Et cette grande protection c'est que tu ne puisses pas renier la parole. Ce que salemi ke bakangiro. Si c'est fait qu'on t'attrape. Témoigne Jésus-Christ. Témoigne Jésus-Christ, le Seigneur. Yo komi na verse o balobi. Toi, tu es arrivé au verset où l'on dit. Oya ko témoigner na miso abatonga pe na ko témoigner devant mon père. Celui qui va me témoigner aux yeux des hommes, aussi je le témoignerai là-bas devant le père. Mais ceux qui vont apprendre avant que bakangi o kuna. Mais si moi, ton frère, j'apprends avant qu'on t'a arrêté là-bas. Moi je suis dans l'écriture. Ceux qui sont persécutés, qui mène à ville. Si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Chacun dans son écriture à lui. Nous entendons bien, bien aimé. Etienne. C'est par exemple Étienne. Il a écouté l'écriture qui a témoigné le Messie. Lui fut trouvé dans l'écriture de témoigner Jésus le Messie. Dans Acte 7. Babomi. On l'a tué. Mais les disciples m'apprennent. Mais les disciples l'ont appris. À cause de la persécution. À cause de cette persécution. Les disciples ont appliqué le verset que Jésus avait dit. Qui m'a persécuté? Si on vous persécute ici, vous fuyez dans une autre ville. Bakimi. Notre disciple ont fui, se sont dispersés. Or, cette dispersion. C'est pour que s'accomplisse l'écriture de Acte 1. Jésus a dit que vous serez mes témoins. Jésus les regardait et disait pour que ça la à Jérusalem, à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, maintenant ils ont commencé à dire. Ils demeuraient ensemble. Parce que mais ils n'avaient rien de dispersé. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Tout était ensemble. Alors il y avait un verset de Jésus à côté. Il faut qu'il puisse marcher. Alors il a accompli le verset. Maintenant Jésus voulait accomplir ce verset-là. Maintenant, pour l'accomplir, persécution. Il a créé la persécution contre Étienne. Tu peux voir seulement l'écriture, vous serez mes témoins. Tu vas aller te retrouver dans un endroit que tu n'avais pas préparé de te retrouver. Bon, parlons-les comme ça. C'est pas pour que la parole parvienne aussi aux gens de cette contrée-là.
Philippe a qui m'a Philippe avait fui. Ma commune à Samarie. Il est arrivé à Samarie. A annoncé parole avec puissance. Il a annoncé la parole avec puissance du Saint-Esprit. Pierre, vous devez apprendre. Les apôtres même ont appris. Les témoins à Samarie, ça qui ne fallait pas qui m'a boy. Les témoins à Samarie, il fallait cette dispersion. Le Seigneur peut te donner un message, bien-aimé. Il te dit que je vais t'envoyer à tel endroit. Cela ne va pas rater, frère. Même si tu conçois des programmes, tu finiras toujours par se retrouver à cet endroit-là. Tu peux fuir dans toutes les formes que tu veux. Tu fuis même jusqu'à Paris. Nous avons créé rapatriement. Les rapatriements des Congolais, les refoulements. Les dossiers sont en bonne et due forme, mais on ne regarde même pas. Le Seigneur poursuit seulement sa parole sur ta vie. Si Jonas avait l'argent du transport, Jonas avait l'argent du billet pour les navires, Yamasua. À côté de Kimia, il est entré dans les navires. Il est allé se coucher là-bas. Il pensait qu'il allait fuir le Seigneur. Le Seigneur a commencé à agiter la main. Les gens n'étaient plus tranquilles. Or, ils allaient à Tarsis. Il a refusé de se rendre à Ninive. Mais a créé une situation. Mais le Seigneur a créé une situation. Les gens ont prié. Leurs idoles. Ils ont fait même des sacrifices. Ils ont jeté dans la mer. Là, c'est l'image de tout un sacerdoce. Mais la mer n'arrêtait pas son agitation. Ils ont très agité dans la situation. Ils sont allés d'abord les réveiller, Jonas. Si le Seigneur dit qu'on va te chercher, on va te chercher, frère. Il a dit la solution, frère. Ce n'est pas eux qui avaient dit de jeter Jonas dans la mer. Parce que l'écriture dit, j'ai le pouvoir moi-même de donner ma vie. C'est pourquoi devant Pilate, bien-aimé. Pilate a lobby. Lorsque Pilate a dit, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir. De te tuer. Jésus l'avait réprimandé. Parce qu'il voyait Pilate tordre ou détruire l'écriture de Jonas. Parce que c'est Jonas lui-même qui avait pris cette solution. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Lui-même Jonas. Si vous me jetez dans la mer, la mer va se calmer à votre égard. C'était même terrible. Seigneur, ce n'est pas nous. C'est lui-même. Maintenant, on a jeté Jonas dans la mer. Maintenant, les gens qui étaient dans les navires. Maintenant, toi, tu te lèves là dans la barque. Donc, quand la paix était revenue dans les navires, Jonas est vivant. Et toi aussi, on va te jeter de la même manière que Jonas. Nous l'avons vu jeter dans la mer. Nous-mêmes, nous l'avons jeté. Jésus avait dit, génération, ils ont un miracle. Cette génération demande un miracle. La compense un miracle à Jonas. Je leur donnerai le miracle du prophète Jonas. Donc en ce temps-là, Israël, c'était comme les navires du temps de Jonas. Donc en ce temps-là, Israël était les navires du temps de Jonas.
Maintenant, lorsqu'on l'a acheté, Jésus est vivant. Il est ressuscité. Mais regardez ces gens. Vraiment ces gens. Nous venons de les jeter dans la mer il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus a folie. Il y a quoi dans l'idée à Yesu Zaloko la diboma. Mais c'est mais la joie, tu es heureux parce que ton cœur le croit. C'est Dieu dans ses péricopes sa propre parole. Il a pris à Dieu lui-même de te donner sa propre parole. Il faut savoir c'est quel poème que sur la terre, il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'ôter la paix. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'ôter la paix parmi les hommes. Et lorsqu'il est dans cette œuvre, une grande paix lui fit donner. Mon papa, mon coeur, mon néné, et paix ça me l'a guillé. La grande paix, mon papa, mon néné, et Talisaka aussi, jugement. Il représente aussi le tribunal. Le tribunal, et ça, c'est l'eau. Zona Namala, je suis attentivement. C'est comme aussi les amis locaux là, Nangambo Nabiso, de notre côté, la parole est épée. La parole est une épée, bien aimé. Épée à deux tranchants. Donc l'épée, mon père mes amis, pour quatre Nangambo Mibale. Selon Hébreux 4. Selon Hébreux chapitre 4. Bandi à partir du verset 11, Tina 13. Commence à partir du verset 11 jusqu'à 13. Mais si vous prenez aussi Romains 13, nous y aurons comme un exemple. Nous ne prenons cela que comme un exemple. Verset 4. Le verset 4. De Romains 13. Na bandé à partir du verset 1. Nous en sommes au verset 4. Amen. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Balobite que toute pensée de l'autorité vient de Dieu. On n'a pas dit que toute pensée de l'autorité vient de Dieu. Non. C'est comme l'autorité na Babylone, basala qui statue. C'est comme les autorités de Babylone qui avaient érigé une statue pour que les gens puissent adorer cette statue. Sur la terre puissent adorer cette statue. Anania, Azar, Michael, Batosate. Les trois amis de Daniel n'avaient pas obtempéré. Et c'est comme à un moment dans des autres nations on avait fait que leurs autorités soient considérées comme de Dieu. On s'était prosterné comme on s'est prosterné devant les saints. On les avait aussi adorés comme on fait pour Dieu. Cette pensée-là n'est pas de Dieu. Vous suivez attentivement? Ah, c'est très important. Amen. Bible le dit, ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Donc, par rapport à la constitution, la loi. Par rapport à la loi du pays, la constitution. Verset 4. Le verset 4. Les magistrats et serviteurs de Dieu. Nzuzi azali
pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Banga. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Magistrat zagana mupanga. Le magistrat a une épée. Est-ce que zagana mupanga physique? Est-ce que c'est une épée physique comme ça? Azana jugement na mabok tribunal. C'est le jugement, le tribunal. Et yangonde bengami épée. Et c'est ce qui est appelé épée dans la parole. Maintenant, awana deuxième saut. Maintenant, ici, dans le deuxième saut, bien-aimé. Quand l'oiseau longola la paix. Lorsque ces cavaliers ôtent la paix par Azos ont aussi grande épée. Il reçoit aussi la grande épée. Donc, Nengoza na mabelea. Comme tu es là, ici sur la terre. Tribunal à Mounene na mabele. Le plus grand tribunal de la terre. Les Anna Vatican. Se trouve à Vatican de Rome. C'est parce que la Bible le dit. La grande paix entre ses mains. Mon père est mon aîné dans ma bocconaille. Parce que verset 18e, il y a Apocalypse 17 et l'obé. Parce que le verset 18 d'Apocalypse 17 nous dit. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la femme que tu as vue. Paie-moi sur Yomoni. C'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Avoir la royauté sur le roi de la terre. Cela veut dire un jugement ya mabele. Cela veut dire que cette femme-là a le jugement de la terre entre ses mains. Vous allez dans ma langue. Vous suivez attentivement. Donc, ce qui a l'obi A. Donc, si cette femme-là dit A, yo l'obi B. Et toi, tu dis le contraire. Vous en avez problème. Tu as des problèmes. Des liwana yo yangwa. C'est ça même ta mort. Athènes en noir. Ce qui a le dit. Couleur blanche. Quand elle dit que c'est blanc. Yo le bité. Toi tu dis non. Ils en noir. C'est noir. On commet une infraction. On t'impute l'infraction. Bon ami. Pourquoi? Azana grande épée. Parce qu'elle a la grande épée entre sa main. Et Alingi makila mingi. Et puis elle aime beaucoup les sangs. C'est Esaou ya carte Apocalypse. C'est Esaou dans la réalité du livre d'Apocalypse. Babylone. Babylone la grande. Mais Nathalie Sekio Zambabe, ça a toujours solution pour la bananaïe. Mais je t'avais toujours montré que le Seigneur donne toujours des solutions pour ses enfants. Et ça la retombe la épée. Que ce soit qui lèvera l'épée. Jugement à ma paix, mais pour bon ma paix dans d'autres. Les juges, un mauvais jugement, un faux jugement pour tuer dans la chair. Ce qui s'en à Monique aux ans devant un fait accompli. Si le Seigneur voit que tu es devant un fait accompli, que tu ne peux pas t'en sortir. Donc on l'a Étienne, comme le frère Étienne l'avait rencontré. Zambé fois là, tu es esprit à vous. Le Seigneur doit te faire porter l'esprit du veau. Tu vas accepter de mourir. Tu vas refuser de régner le Christ, le Seigneur. Il y a des gens qui ont été égorgés à cause du nom de Jésus-Christ. Ils entraient par exemple dans des lieux de cirque de jeux de Masano. Et puis on a affamé les lions. Maintenant, si tu appartiens à Christ, on libère les lions. On libère les lions affamés. Maintenant, d'autres amis. C'est là aussi qui témoignent de Christ. Et d'autres, peut-être là, on les suspend et puis on met de bois. Et puis on les pose d'abord. Est-ce que vous continuez à témoigner de Christ? Toujours à garder la parole de Jésus-Christ. Abina ko témoigner Christ tisuka. Il dit je témoignerai le Christ jusqu'à la fin de ma vie. Là on a ba belisi ba kon. Et puis on allume le bichon. Bazota la yona. Et puis on t'observe. Soki kaka ozoko lika Jésus. Si tu continues toujours à aimer le Seigneur. Mais ce sont des gens oyoyo. Ba pique la ba merveille. Mais c'était des gens qui ont vécu les merveilles de Dieu. On brûlait les gens au lieu de crier ah maman maman. Mais ils chantaient pour le Seigneur.
Et puis les gens ont composé des cantiques à partir de leurs souffrances. Chant de victoire. C'est pourquoi on les appelle Banzembo ya Elonga. Donc, les lions affamés déchiraient les gens, mais ils chantaient à la gloire de Jésus. Il y a des gens qui ont chanté dans des temps fâcheux, difficiles. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Donc ils ont chanté les cœurs. Ils ont chanté les chants qui provenaient du fond du cœur. Mais dans des persécutions à ma case. Qui les avait gardés? C'est l'esprit des veaux. Et ça, mon limo ya moi na ngombe. Et comme ils s'étaient bangon na mabele, tout n'est rien. Et cela leur avait fait montrer que sur la terre tout n'est rien. On peut t'attraper, te capturer, ma soeur, tu as trois enfants. On prend d'abord un enfant, tu as pas. On prend on écrase la tête d'un de tes fils. Dieu, toujours le Seigneur. Il te reste dans ce moment de fils. On prend l'autre, il te reste un. Dieu, toujours le Seigneur. À cause de Jésus, Nicolas et Christ, ils ont aimé Christ. Jusqu'à ba haïr leur propre vie. Balinga et ça qui est-il terre. Yesu qui nous met ba lina bo moina bango ba mona ko pamba. Ah, ba mona qui vient ba ko pamba. Ils ont aimé Dieu jusqu'à haïr. Que Jésus a tombé. Que Jésus Christ soit élevé. C'est l'esprit de vous. Et ça mon lit moi na ngombe. C'est Dieu qui l'aimait. C'est le Seigneur qui l'aimait. C'est le Seigneur qui l'aimait dans ce monde. Dans le but qu'il ne puisse pas les renier. Paul à son temps. Le frère Paul à son temps. Mes liens. Et écoute, tu m'as ma parole. Mes liens ont fait que beaucoup puissent croire à la parole et persévérer. Donc, dans ces souffrances, cela donnait encore plus de zèle ou d'amour de la parole aux autres frères. Les gens qui ont été jetés en prison, mais qui chantaient la gloire du Seigneur, le Seigneur a brisé les chaînes, a fondé les prisons. Il a ouvert la prison. Mais ils ont refusé de sortir. Pour fuir, pour s'évader. Les gardiens de la prison voulaient aller se tuer. La prison s'est ouverte. C'est quelqu'un. C'est qu'ils sont prison. Ils sont partis. Oh là là, nous sommes ici. Nous allons Awa. Événement. Cet événement-là. Et tu dis pour la terre. Boutou prisonnier. Cela avait poussé à tes soldats. Il a prêché ses geôliers. Boutou qui dit na main. Nuitamment, il est allé avec lui dans l'eau. Ah, on baptise ça, on a compris. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Donc, en contact de la prison, il est bon. Soldats soit bon moyen. Il était entré en prison pour que le soldat puisse avoir la vie éternelle. Donc, et l'opinion, c'est ça là qui intérêt à Christ. Donc, toute chose dans leur vie, c'était pour l'intérêt de Christ. Que Dieu bénisse. Zambia Pambolabino. Et que le Seigneur Jésus abatte la vie dans ma case. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous garde au jalousie. A salé la vie dans la momingi. Fasse beaucoup de bien. A fongole la vie dans Banzena et qui toque au Koleka. Nous ouvre les belles portes. Seigneur Jésus, merci parce que Zali Moussungi mon aîné. Merci Seigneur Jésus parce que tu es un grand Seigneur. C'est ta grâce qui nous a conduit dans cet enseignement. Garde tout un chacun afin de témoigner la grandeur de ton nom. Et nous-mêmes, nous ne saurons rien. Si ce n'est par ta grâce. Gardez-nous dans ces voyages. Et yali kamboni ni to tato la kombona yo.
que un problème, une souffrance arrive, que nous puissions témoigner ton nom. Que ta paix soit dans tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.